Au début, tout était centré autour de Bader et Eric, sur leur projet final de leur formation d'ingé son. J'avais aussi un projet sonore sur lequel je devais travailler et avais l'intime sentiment qu'il fallait que je chante. Je marche dans l'école et me rends compte qu'une masse de gens était en train de créer tout autour de l'espace à travers lequel je circulais. Il y avait de la vie partout, dans tous les sens. Il y avait des jams, des gens qui bossaient en studio ou composaient avec leur groupe de musique. Tout le monde était rassemblé pour l'amour du son. L'espace était très aéré, très haut. Il était intérieur et extérieur. Il avait des murs, mais pas de plafond. Partout circulait de l'eau à l'aide de petits couloirs incrustés dans le sol et prévus à cet effet. Tous ces couloirs reliaient chaque groupe de travail au compositeur. Plus je regardais tout ça, et plus une sensation de trouble m'envahissait. Je savais que nous gênions, nous étions illégaux. Nous ne pouvions pas rester, la police s'était rassemblée et encerclait le bâtiment. Elle était prête à nous déloger de l'école que nous habitions illégalement. Nous cherchons des portes pour fuir. Eric et moi sautons au-dessus d'un mur qui nous amène dans une petite rue sombre pour prendre le métro et échapper à la police. D'autres suivaient. Nous courons jusqu'au métro et nous retrouvons instantanément dans un de ces très longs couloirs. Au bout de ce couloir, vers la destination que nous comptions prendre, le couloir se terminait en cercle, très grand. Il offrait la possibilité d'aller ailleurs. Plus on se rapprochait, plus l'image d'une ligne au loin devenait claire. Une ligne de policiers et ou de contrôleurs demandait tous les titres de transport ou les papiers d'identité de chaque personne. Je vois partir Bader et Eric, puis d'autres gens, sans savoir si c'est mieux qu'ils passent ou qu'ils restent, qu'ils s'en aillent. Et je pars, en essayant de ne pas me faire voir par la police ou qu'ils me trouvent suspecte. Mais je ne sais pas où aller, car je suis illégale. Je fais demi-tour et repars dans le couloir sans savoir où aller, et en gardant l'image d'Eric et de Bader passer de l'autre côté. Je vois leurs visages. Leurs visages sont dans ma tête. Leurs visages sont dans ma mémoire.